Bonsoir à tous et bienvenue dans le mag. Ce soir, nous parlons d'Europe et plus précisément d'un projet qui vise à limiter la montée de l'extrémisme et du populisme en Europe à travers le débat citoyen. Il s'agit de City Part, la Maison de l'Europe des Yvelines et l'un des huit partenaires européens de ce projet. Et pour en parler avec nous, ce soir, Mathias Jordan, bénévole à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Maison de l'Europe, je l'ai dit, est partie prenante hein, de ce projet au même titre que cette autre entité. Euh, C'était un appel euh, à projet initialement longue procédure Oui, ça a duré deux ans, lancé par un appel à projet de la Commission européenne euh, qui euh, donc proposait de euh, lancer un appel citoyen, développer de nouveau la citoyenneté européenne et donc euh, la Maison de l'Europe a décidé d'initier ce projet avec, euh, comme vous l'avez dit, huit, euh, sept autres partenaires, euh, tout le monde à égalité, donc venant de cinq pays différents en plus, donc c'est vraiment un gros projet. Pourquoi euh, la maison euh, de l'Europe des Yvelines a décidé de se porter euh, candidate sur ce projet Il y a une raison particulière euh, Non, simplement parce que c'est son travail aussi habituel euh, de promouvoir l'Union Européenne, de développer cette citoyenneté, d'aller euh, vers le débat citoyen, ce qui est toujours important. Euh, voilà, c'est simplement ces thèmes habituels. Et puis euh, c'était toujours l'occasion d'aller aussi vers de nouveaux partenaires et euh, de, de nouveaux horizons. Euh, précisons hein, que ce projet CityPart a une durée de deux ans. Il se déroulera jusqu'au 26 septembre. 2017, et parmi les autres partenaires, on compte par exemple la maison de l'Europe de Dubrovnik en Croatie ou la ville de alors, excusez-moi l'accent, Sosnowiec en Pologne. Je sais Sosnoviek. pas si Sosnowiec voilà. en Pologne. Voilà euh, la rapide présentation que j'ai fait tout à l'heure du projet City Part qui vise à lutter contre l'extrémisme et le populisme à travers le débat citoyen. Est-ce que c'est ça, c'est juste ou alors c'est plus de euh, Là, après, on va surtout se concentrer sur la défense des valeurs européennes que sont la solidarité, la tolérance et la paix et qui feront l'essentiel euh, de la structure du projet aussi. C'est autour de ces trois valeurs que va se dérouler le projet autour de trois phases, de même trois conférences européennes, trois conférences plus locales autour de chaque partenaire. Justement, qu'est-ce que va faire concrètement la Maison de l'Europe des Yvelines Va organiser des réunions, des débats La Maison de l'Europe des Yvelines initie et coordonne le projet au niveau européen, mais c'est surtout au niveau local sur le territoire qu'elle va commencer à travailler avec des partenaires locaux pour d'abord développer des activités locales autour de ces trois valeurs. Donc, on a comme projet, pour le moment, de faire pour euh, la solidarité hein, des micro-trottoirs, pour essayer de sonder aussi euh, la vie Pour la tolérance, créer, euh, faire un, un théâtre-forum euh, et donc euh, instaurer un véritable dialogue. Et enfin, pour la paix, euh, rédiger un journal sur la paix, notamment avec les établissements scolaires et les centres socioculturels. Euh, et donc, ça, ce sont des activités que la Maison de l'Europe va, va faire à partir de. Localement. localement avec, avec, dans les Yvelines ou en Ile-de-France euh, avant tout, dans les Yvelines, avec, mais il y a aussi, euh, bon, en général, euh, l'île de France euh, qui est inclue. Euh, ça dépend bêtement des, des partenaires, on va dire, qui, qui sont là, sachant qu'on a pour le moment des municipalités, on a les centres socioculturels, en particulier à Saint-Germain-en-Laye où on est basé. On a également des associations euh, très nombreuses autour de la Maison des Associations de, euh, de Saint-Germain-en-Laye, les Amis des Jumelages, étant donné que toute cette euh, structure est basée sur les jumelages et euh, entre les différentes villes, notamment des Yvelines avec euh, l'Europe. Euh, des établissements scolaires donc c'est vraiment euh toute la société civile un peu qui est dans ce projet. Il y aura aussi des rencontres qui vont être organisées avec les autres partenaires, les sept autres partenaires Oui, c'est juste ça, c'est on va dire le sommet de chaque phase, de chaque phase autour des valeurs. Trois phases, en tout Trois phases, c'est ça. Donc en tout, il y aura cinq rencontres. La première de lancement qui va se dérouler du 27 septembre au 1er octobre 2015 à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, la seconde aura lieu à Varsovie autour de la solidarité. Puis la la deuxième, enfin la deuxième sur les valeurs, à Potsdam sur la tolérance, la troisième à Sichazel qui est euh, en Moselle, c'est la ville de Robert Schumann sur la paix, et euh, donc tout est dans le symbole encore une fois et euh, la dernière aura lieu à Villars en Autriche, notre partenaire autrichien, euh, pour clôturer le projet en tant que tel, tirer les, les leçons de ces deux ans de projet et éventuellement le, le, le relancer, le prolonger avec de nouveaux partenaires, de nouvelles entités. Qui pourra participer à tout ce que vous allez faire avec vos, avec vos partenaires Est-ce que les citoyens lambda pourront participer Tout à fait, tout à fait. On invite d'ailleurs tous les citoyens à venir, euh, notamment sur les travaux locaux, étant donné que les multilatérales, les rencontres multilatérales seront avant tout entre les partenaires européens, mais au niveau local, toutes les activités sont tournées vers les citoyens. Euh, pour les différentes conférences que l'on va organiser, pour les différentes rencontres, euh, c'est avant tout leur voix aussi qu'on aimerait bien entendre et qu'on aimerait bien porter au-delà. Euh, étant donné que le projet initial, c'est également de créer, de euh, à partir de ces débats, de produire euh, un certain nombre de propositions qui pourraient ensuite être appliquées au niveau local par les municipalités. Euh, concernant ces trois thèmes, concernant le bien-être et le quotidien euh, des citoyens. Oui, il va en sortir des réflexions, vous allez après les soumettre à, à quelqu'un, euh, parlementaire européen peut-être Notamment, d'autant que nous avons le soutien pour ce projet du député européen Alain Lamassour, donc on a vraiment un relais aussi euh, dans les institutions, et on aimerait bien que euh, ce travail, que toute cette voie euh, démocratique euh, arrive à ce niveau-là. City Part, est-ce que c'est euh, principalement pour les plus jeunes pas nécessairement, c'est censé être, c'est un projet que l'on veut vraiment être ouvert à tous. Donc autant les jeunes que les adultes, euh, dans un travail vraiment entre les différentes associations. Après c'est vrai que l'on se concentre énormément vers les jeunes étant donné que euh, c'est eux qu'il faut éduquer pour l'avenir, pour euh, l'Europe de demain. Euh, Qu'on aimerait bien euh, aussi en profiter pour développer cette citoyenneté européenne, euh, notamment pour les jeunes qui euh, ont tendance à euh, se détourner de l'Europe. C'est ce type d'initiative qui va, vous, vous pensez, changer l'image de l'Europe pour rapprocher l'Europe du citoyen euh, On l'espère, du moins c'est par ce genre de, de, de motivation aussi, euh, de euh, grands projets qu'on arrive à mobiliser plus facilement, euh, plutôt que quelque chose qui reste circonscrit à un tout petit territoire. Merci Mathias Jordan d'avoir répondu ce soir à nos questions. Je rappelle que vous êtes bénévole à la Maison de l'Europe des Yvelines. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette chronique en audio et vidéo sur radiosensation.fr. Euh, radio, sensation Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensation.